Réseaux sociaux buzz. Pakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez oh, venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. TikTokeuse au nom de Antonella, elle est du Congo Brazzaville, insiste qu'elle a bel et bien des vidéos du coach Amon Chic avec M. Balthazar et qu'elle s'est dit elle est prête à aller n'importe où si le coach Amon Chic portait plainte. Elle est prête à aller n'importe où parce que ce qu'elle dit, c'est vrai. Elle détient réellement le vidéo du coach Amon Chic avec M. Balthazar. C'est ce que vous allez suivre dans ces lives ici. C'était un grand débat le matin avec les Ivoiriens et d'autres Brazzavillois. Un monsieur dans les lives qui a dit que apparemment ces vidéos-là se retrouvent dans un site et qu'ils ont pris ça dans un site pour adultes, des vidéos pour entrer, il faut payer. Donc le coach Amon Chic s'est fait payer par ce genre de vidéos d'adultes. Ok, c'est bien. Je vais vous poster cette vidéo. Vous allez voir une personne en train de parler d'une autre personne. Bon, je vais aller avec dans le sens d'une femme. Hein. Vous allez voir une femme, Antonella, une femme qui est en train de parler d'une autre femme comme elle, avec une haine là, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où est venue cette haine ou cette manière de parler. Et ce courage-là qu'elle a pris ou qu'elle prend de parler avec beaucoup d'audace de quelque chose qui ne lui concerne pas. Parce que moi, Mama Buzz, je ne vois pas la relation entre le vidéo de la coach Amon Chic et Antonella. Il n'y en a pas. À vrai dire, ça ne concerne pas Antonella que le coach Amon Chic se retrouve dans les vidéos de Balthazar. Normalement, ça devrait concerner les maris du coach Amon Chic et non de cette prétendue influenceuse. Le pouvoir des réseaux sociaux qui donne aux gens un certain pouvoir et une manière de parler de façon impolie de personnes ou de choses qui ne leur concernent même pas. Je ne vois pas de rivalité entre le coach Amon Chic et cette Antonella. Parce que cette Antonella-là se dit que non, le coach Amon Chic, elle prétend dire ou elle prétend être une bonne personne sur les réseaux sociaux. Alors, ce qu'elle fait dans les coulisses n'est pas honorant. D'ailleurs, elle a détruit beaucoup de couples. Elle va lui faire payer ça. Ça n'a en réalité aucun sens. Mais ce que j'ai compris, c'est non qu'il y a des personnes que nous ne connaissons pas, ou des personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne nous connaissent pas, mais qui sont prêtes à nous faire du mal pour rien. Pour moi, Mama Buzz, que ces vidéos-là existent, ou que ces vidéos-là n'existent pas, en quoi est-ce que ça me concerne moi, ou ça concerne cette Antonella? Elle est qui pour la coach? Pas de la même famille, pas de son entourage, pas de son cercle, pas de la famille de son mari. Elle est même d'une autre nation. Mais je ne comprends pas cet acharnement-là. Je ne comprends absolument rien. Le coach Amon Chic, oui, la fille dit que non, elle vient sur les réseaux sociaux demander des gens de l'argent, patati patata. Mais elle aussi, elle est influenceuse sur TikTok. Si le coach Amon Chic demande des gens de l'argent, elle aussi, elle peut commencer à demander autant, ce n'est pas un problème. Parce que cet argent-là, elle ne le vole pas.
Elle vient faire son live, allô, c'est pour poser des questions. Est-ce qu'elle elle oblige les gens à l'appeler pour leur poser des questions? Moi, personnellement, moi, je raconte les histoires. Est-ce que moi, j'oblige les gens à m'apporter leurs histoires pour que je puisse raconter? Il y a des personnes qui me contactent parce qu'ils se disent que non, son histoire va aider d'autres personnes. Et je sais que je connais, la petite histoire que je connais du coach Amonchik, elle s'est simplement servie de son histoire pour essayer d'aider d'autres personnes. Et sa réputation, sa notoriété, elle a construit from nulle part. Et c'est qu'elle est devenue aujourd'hui. Je ne comprends pas cet acharnement-là. Vous allez écouter la vidéo, vous allez beaucoup regretter. D'une manière impolie, elle parle de façon impolie. Quand vous venez ici sur les réseaux sociaux pour parler des autres personnes-là, pensez aussi d'où vous venez, vos parents. Vous faites insulter vos parents, vos proches, vos familles à cause de votre mauvais comportement sur les réseaux sociaux. Ça m'énerve seulement la manière dont cet Antonio est en train de parler. Parce que je me suis dit, du haut en bas, de gauche à droite, elle parle de choses qui ne la concernent pas. Jusque-là, ce sont des inventions parce qu'il n'y a aucune vidéo. Moi, je vis aucune vidéo. Même quand on dit que c'est 400 vidéos qui sont sur les réseaux sociaux, je n'ai vu aucune de ces vidéos-là. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas vu ce genre de vidéos. Si réellement il y avait des vidéos du coach Amonchik, ça se serait déjà retrouvé entre les mains de plusieurs personnes. Plusieurs. Parce que le coach Amonchik a un nom. Et si on veut bien humilier cette dame-là, s'il y avait vraiment de vidéos contre la coach, ces vidéos-là allaient déjà sortir au jour d'aujourd'hui. Ça n'allait pas être seulement de rumeurs, de rumeurs, de rumeurs. Mais comme elle est en train d'insister, peut-être elle sait là où elle est, peut-être aussi non. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent s'élever un jour et dire que je vais détruire telle personne. Vous allez voir que la personne va le faire à cause du pouvoir des réseaux sociaux. Et elle est en train de faire des lives tout le jour. Tout le jour. Alors, suivez ces lives, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous de cette pensée-là, de cette dame-là? Et si on peut... Ça c'est un débat ouvert. Écrivez-moi dans les commentaires. Profitez de vous abonner sur les réseaux sociaux Buzz. Cliquez la cloche notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Moi, c'est Mama Buzz, Mama Rizu. Je suis ouvert en tout cas à toute collaboration, des promotions, des publicités, des coaching également pour tous vos problèmes de chaîne YouTube. Je suis disponible pour travailler avec vous. Suivez la vidéo, je pense que je ne vais plus revenir, mais moi je suis en train de survivre. Mettez ça dans votre tête. C'est un complot qui est mis en place pour détruire notre compatriote contre Amonchik. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, on vient de poser en français clair la question au monsieur de nous dire, puisque c'est parce qu'on enregistre, hein, parce qu'il aurait une suite judiciaire dans cette affaire, c'est que on demande au monsieur de dire de manière claire, lui et sa gaga là, de dire aux Ivoiriens, de dire devant le monde entier qu'ils ont vu la coach Amonchik dans cette vidéo. C'est tout ce qu'on a besoin. Et le reste là, vous allez comprendre. Parce que cette vidéo, vous allez la rendre publique. J'ai une motion, Ok, ok, oui. Président. En fait, le but du live, c'est de savoir... Si, quand Amonchik doit porter plainte, en fait, c'est ça le sujet. Est-ce qu'elle doit porter plainte par rapport à cette diffamation? Sachez-le, ouvrez grandement les oreilles. Vous ne faites peur à personne. Vos intimidations, vous les comptez où je le porte. Vous me comprenez? Vous ne faites peur à personne. Président, président, attendez, président. Attendez, après le monsieur, vous allez intervenir. N'intimidez pas les gens ici, d'accord? Président Camara. Vous n'intimidez pas les gens. Attendez, s'il vous plaît. On laisse le monsieur parler. Quand il va finir, on va donner la parole à président qui va s'exprimer. Monsieur, monsieur, non, attendez. Monsieur Mute,
la vidéo, vous ne pouvez pas mettre de vidéo ici. Ici, on ne met même pas d'image, on ne met rien du tout. On a mis un sujet. Il faut juste donner votre avis. Est-ce que vous pensez qu'elle doit porter plainte? Monsieur Buste, j'ai une motion. Fermez-le, s'il vous plaît. Attendez, de la gare, vous allez faire votre motion. On écoute le monsieur. Vous allez faire votre motion. Il m'a laissé sa parole. Il m'a laissé le temps. D'accord, allez-y alors. Ce monsieur, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Ce monsieur que vous voyez là, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Déjà pour commencer, vous racontez des bobards. Monsieur le Président, lorsque vous montez, n'essayez pas d'intimider les gens parce que personne ne sera intimidé, personne n'a peur. Diffamation ou pas, allez-y porter plainte. Je n'attends que ça. Je suis là sereine, assise. Je suis là assise confortablement. Je n'attends que ça. Donc ça sert à rien de me parler de non, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre de savoir qui vous êtes? Vous croyez que vous êtes en Côte d'Ivoire ou au Congo ici et dire que les Ivoiriens, moi je n'ai aucun problème contre les Ivoiriens. D'autant plus que il y a des Congolais de mon pays qui soutiennent à mon chic. Il y a des Ivoiriens qui me soutiennent. C'est une question de moralité. Chacun soutient où il veut. N'essayez pas de mélanger les peuples. D'accord? N'essayez pas de mélanger les Ivoiriens si, les Ivoiriens ça, les Congolais si. Depuis que je suis montée, je n'ai jamais fait allusion à mon pays. Parce que ce n'est pas mon pays qui m'a envoyé ici. Je parle en mon nom et en mon nom toute seule. N'essayez pas de mélanger les peuples ici là. Comme ça, on va avoir une guerre Côte d'Ivoire-Congo. Ça, c'est de l'échappatoire. D'accord? Quand vous n'arrivez plus à assumer, vous vous lancez là sur le peuple pour dire « Oui, les Ivoiriens, soutenez-moi. » Mais n'importe quoi. Allez-y porter votre putain de plainte. Moi, je n'attends que ça. Votre putain de plainte, là, allez-y la porter. Et puis, si on voulait pirater, le monsieur qui est monté n'allait pas demander la permission à qui que ce soit. Il serait monté et il aurait ouvert directement sa caméra pour pirater le live. Puisqu'il demande la permission, ça veut dire qu'il n'a pas l'intention de le faire. Donc, tâchez de ne pas mentir ici ou de proliférer, de proférer des menaces à qui que ce soit. Vous ne me menacez pas, vous ne me faites pas peur. Ni toi, ni Abanchik, ni toutes les personnes qu'elles pensent être les grands du monde qui l'entourent. Personne ne me ferait, d'accord? Je ne suis pas après ça. Donc, voilà. C'était ça, Madame Koussou. N'importe quoi. Ok, voilà. Merci beaucoup. On va laisser motion, terminer. Une motion. Oui, vas-y pour ta motion, oui. Alors, j'aimerais parler à grand frère président. Ici, moi, j'aimerais pas que tu essaies de voilà par rapport à ton intervention, c'est pas trop adroit. La dame, elle est en train de faire des accusations à Madame Coach Amouchik. Et concernant la vidéo, si c'est faux, c'est à Maman Coach Amouchik de porter plainte. Et si la communauté de Coach Amouchik essaie de défendre Coach Amouchik en disant que le fait que tu dises que elle détruit des foyers, c'est pas vrai et que nous avons des témoignages, qu'il monte ici et vous donne les témoignages tout simplement. C'est pas question de peuple ou de patrie. Non, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'elle vient de dire tout à l'heure là. Donc si c'est faux, c'est son avis à la donner concernant les lives de Madame Coach Amouchik. Que ses lives ne n'apportent rien de positif, que ça détruit des foyers. C'est sa communauté de venir dire non, ce que tu dis c'est faux, parce que ce qu'elle fait, ça m'apporte beaucoup, ça m'a apporté beaucoup dans mon foyer, voici ça. Tu vois un peu. Donc n'essaie pas de mélanger, s'il te plaît, à question des pays. Parce que ce qu'elle fait, il y a des Ivoiriens qui la suivent, et il y a des Congolais, la majorité de la communauté de Côte d'Amonchik, c'est les Congolais, et plus tous les pays du monde. Elle n'est pas figée sur un seul pays. Donc, essayez d'élargir un peu le débat et ne concentrez pas ça sur une question de pays, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci cœur. Bon, on va laisser le monsieur conclure et puis on donnera la parole. Répète, monsieur, déjà, d'abord, avant de commencer, on a mis le sujet, en fait, pour vous demander votre avis, pour savoir si Madame Coach Amouchik doit porter plainte ou pas. Maintenant, cette histoire de montrer les vidéos, non. Si vous dites que vous avez les vidéos, vous avez vu les vidéos, vous n'avez juste qu'à confirmer ou à infirmer, c'est tout. Nous, on ne veut pas des vidéos aussi, ne mettez pas d'image. Voilà. Merci. J'ai dit, je n'ai pas l'intention de mettre les vidéos ou de quoi qu'on dise là. Moi, c'est juste pour vous dire que madame, je ne sais pas, soi-disant coach, elle ne peut pas porter plainte parce que quoi, il n'y a pas de diffamation. Tout le monde qui dit qu'il y a diffamation, ce sont des idiots. C'est moi qui l'ai dit et je le soutiens, ce sont des idiots. Pourquoi? Voilà pourquoi je vous ai pris l'exemple. Si une vidéo se trouve dans le site, exemple Brezan ou bien Telegram, moi je prends cette vidéo d'une star quelconque
que ça soit, exemple, il y a des vidéos, exemple, beaucoup des stars, des films Hollywood, je sais pas, films nigériennes, et les artistes, et je sais pas, et bon, bref, je prends la vidéo, je balance cette vidéo, il n'y a pas de diffamation parce que la vidéo se trouve déjà dans le site. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas chantage parce que la vidéo se trouve déjà dans le site. Donc, il n'y aura pas chantage. Du coup, tu es déjà considéré comme une actrice. Moi, aujourd'hui, je suis Antonella. Antonella, on me porte plainte. Tout ce que je vais dire, par rapport même ce que aussi elle avait dit dans sa vidéo, moi, j'ai vu une vidéo. Moi, j'ai vu une vidéo. Ça veut dire, je vais dire que moi, je suis déjà adulte. Je vais dire que je suis un consommateur de films adulte. Donc, je suis tombé. Il y a des gens, des amis qui m'ont envoyé la vidéo d'un tel. J'ai dit que, oh, mais cette dame-là, je la connais. Or, qu'elle était actrice. Du coup, il n'y a pas plainte. Plainte contre quoi? C'est pas une vidéo qu'on lui a donnée, qui quitte de téléphone en téléphone. C'est une vidéo qui se trouve dans les sites. Voilà pourquoi je vous ai montré déjà là où se trouvent les vidéos en question de vous soi-disant que vous parlez là. Il y a des vidéos déjà qui sont là. Tout le monde, c'est juste que c'est une dame. On a pitié d'elle. On ne veut pas. Mais si, c'est okay. Merci vrai, beaucoup. La vidéo, il y a des dames qui ont d'argent, qui ont retiré les vidéos. On a payé les informaticiens pour retirer les vidéos sur certains sites. Et il y a des gens qui ont des sites sécurisés, qui ont mis les mêmes vidéos jusqu'à aujourd'hui, là où je te parle. Et voilà pourquoi je t'ai montré, moi, j'en ai déjà là où je te parle, il y en a. Ok, merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de diffamation. Il faut conclure, on va donner la parole aux autres. Parce que de toute façon, vous pouvez parler du site. Bon, nous, on n'a pas le site, on ne veut pas... Quand tu prends une vidéo de Rocco, tu le balances à quelqu'un, il n'y a pas de diffamation. Il n'y a pas chantage. Parce que c'est une actrice. Et c'est un acteur, d'abord, j'allais dire, pardon. Aujourd'hui, la vidéo, si ça se trouve dans le site, c'est un acteur, c'est une actrice ou quoi. Donc, il n'y a pas de diffamation ou bien chantage. Chantage, c'est comme si c'est la vidéo que tu m'avais donnée, ou bien moi je t'avais filmé, et moi je le balance, là ça devient chantage, ou bien diffamation. Mais là, il n'y a pas de diffamation. Ok, donc, merci. On va donner la parole aux autres. Non. Voilà, je vais chuter sur quoi? Il y a des gens qui disent que non, cette dame coach-là, non, n'appelle pas les gens. Donc, s'il y a un problème, si tu ton foyer se casse, ça c'est ton problème. Aujourd'hui, le médecin n'appelle pas les gens. Si tu pars chez le médecin t'appelle pas. Mais si tu te fais mal soigner là-bas, c'est le médecin qu'on va porter plainte ou bien le médecin n'aura pas de problème. Mais le médecin ne t'a pas appelé. Mais si aujourd'hui, moi, je pars chez le médecin me maltraite là-bas, le médecin doit être arrêté. La dame-là doit être descendue. Parce que ce qu'elle fait, c'est pas normal. Elle détruit les foyers des gens. Je vous ai déjà donné les exemples. Monsieur, il faut chuter, monsieur. Il y a beaucoup de demandes. On a entendu, on a compris ce que vous avez dit. Madame, non. Il faut chuter. Je dois chuter. Chaque fois, je vais chuter parce que vous avez pris mon temps. C'était ma partie que vous avez pris. Maman, laisse-le chuter et puis on va envoyer la contradiction. On va chuter et puis on va écouter le président Camara. Moi que vous voyez, monsieur, s'il vous plaît, il y a beaucoup de demandes. Vous ne pouvez pas monopoliser la parole. Il faut chuter. D'accord, je ne suis pas là pour Djadja. Je ne la connais même pas. Mais c'est juste que cette dame-là, c'est une personne qui est vraiment, vraiment là pour ce travail. Vraiment. Il doit démasquer tout ça. On vous demande si vous avez vu la dame. Vous ne pouvez pas dire oui ou non. Donc, ça ne sert à rien tout ce que vous dites. Parce que vous nous dites d'aller sur le site, on n'est pas là pour aller sur le site. Nous sommes là parce qu'il y a des accusations. Voilà. Mais non, je dois avoir le soutien. Mon soutien se trouve sur le site. C'est ça le problème. Madame, vous ne connaissez pas, vous n'allez pas me mettre dans les pièges quand même. Je ne suis pas bête. Ok, voilà. Merci, monsieur Buste. Merci. Vous n'êtes même pas dans le piège. Non. Voilà. Vous n'avez pas à répondre. On va passer la parole, s'il vous plaît. On va passer la parole. Oui. On va écouter le président là. C'est la parole. Président Camara, bonjour. D'accord. Allez-y, vous avez la parole. Bonjour. Je viens d'écouter et je le répète encore. C'est un complot d'un groupe étranger dans le but de détruire une compatriote ivoirienne. Et je vais même faire un live spécial. La Djadja. Apprêtez-vous.
vous avez déclenché, on va terminer ensemble. Est-ce que vous comprenez? On vous pose la question. Et la réponse est très simple. Je l'ai vu ou je ne l'ai pas vu. Venez pas nous distraire ici. Vous êtes... Quand j'entends des gens, et quelqu'un 99, je suis vraiment déçu de ce que tu viens de dire. Je te respecte pour ça. Tu es plusieurs fois venu sur mon panel, mais tu me connais. Tu sais que je ne rentre pas dans de faux dossiers. Est-ce que vous comprenez? Donc, venant de toi, ça m'a vraiment choqué, quoi. Je préfère te le dire de manière directe. Ta réaction tout à l'heure. Moi? Est-ce que vous voyez? Okay. Non, non, je... Moi, président, j'ai fait quoi? Je parle de cœur 99. Ah. Voilà, je parle de cœur 99. Je suis déçu de sa réaction. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, non. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout à l'heure, vous m'avez dit que ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire. C'est bien sûr une affaire de Côte d'Ivoire. Et je vais faire la démonstration, pas même dans ce live-là. Je vais faire un live spécial pour mais vous. Mais c'est la compréhension. Mais président, président, est-ce que la Côte d'Ivoire, franchement, comment expliquer comment c'est une affaire de Côte d'Ivoire? Expliquez-nous comment, parce que moi, je suis un peu perdu là. Victime, vous savez, en quoi est-ce que je t'ai déçu si la compréhension est différente de tiens? Quand ces gens-là sont venus en Côte d'Ivoire, vous avez vu leurs réactions. Mais t'es bizarre, toi, t'inventes des choses. Oui, oui. Madame, fermez votre micro. Vous la fermez. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Quand vous parlez tout à l'heure, là, je vous ai laissé parler. Ok? Vos problèmes, c'est vos problèmes. Nos problèmes, c'est nos problèmes. On n'est pas obligé d'être solidaire de vous. Vous n'êtes pas obligé d'être solidaire de nous. J'ai dit, la dame, elle est victime. Et la preuve vient d'être faite sur ce live-là. On demande au monsieur de nous produire une déclaration où il affirme avoir vu la coach à mon chiffre dans la vidéo. Il est incapable de le dire. Si ça, c'est pas de la diffamation, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle la diffamation? Parce que c'est un complot, un groupe de personnes qui se sont mis ensemble. Et j'entends certaines personnes dire oui, elle a détruit des foyers. C'est parce que tu veux quitter ton mari. C'est parce que tu n'aimes pas ton mari. Une inconnue qui est assise sur les réseaux sociaux va te dire à toi de quitter ton mari et puis tu vas le quitter. Mais au contraire, même moi, je dis merci à la coach à Monchik. Toutes les femmes qui n'aiment pas leur mari, là, au lieu de tromper le monsieur, au lieu de le faire souffrir, là, il faut le quitter. Il faut le quitter. Hein? Au lieu de mentir, au lieu de le faire souffrir. Parce que quand on aime un homme, personne ne peut venir te dire... Est-ce que vous pensez qu'elle doit porter... Est-ce que vous pensez qu'elle doit porter plainte et que ça résoudrait le problème et ça calmerait les esprits, les doutes et tout ça? Bien sûr que la coach à mon chic doit porter plainte. Elle doit son avocat... Et puis, coach à mon chic, si tu m'écoutes, vous êtes suivi par des milliers de personnes. Vous gagnez de l'argent. C'est-à-dire, vous pouvez... Quand vous êtes en live, là, vous avez plus de 25 000 personnes connectées. C'est pas donné à tout le monde. Vous gagnez de l'argent, vous devez prendre un avocat qui doit être permanemment avec vous. Et chaque fois, il y a des situations qui doivent... Prince, laissez-le parler. Vous allez faire votre motion après. Moi, j'ai déjà été victime d'une telle situation. Ce que j'ai fait là, je suis allé déposer plainte. Et les concernés ont été interpellés. Et je vous le dis, ne vous asseyez pas pour dire non, celui qui a la vidéo n'a qu'à mettre sur les ressources, je donne 5 millions. Ça ne suffit pas, madame. Il faut porter plainte. Mais président, oui. Coach Amon Chik dit qu'elle ne va pas porter plainte. C'est ça le problème. Oui, elle a dit qu'elle ne va pas plainte. Bien entendu, quand elle le dit, ça peut être une stratégie de communication, mais je vais vous dire que ça ne va pas prospérer. Ça ne va pas continuer. À un moment donné, elle va se résoudre à déposer cette plainte-là. Parce qu'aujourd'hui, son image est en train de faire le tour du monde. Et sur ce panel, ces détracteurs ont été mis à l'épreuve. On leur demande. Ils veulent faire passer une vidéo sur votre compte en disant oui, est-ce que je peux? Non, ce n'est pas parce qu'ils vous demandent la permission, madame. C'est parce qu'ils veulent renforcer le doute dans la tête des gens. Ils veulent renforcer ce qu'on appelle le doute. Ils veulent légitimer, crédibiliser la thèse du complot. Pour dire, ah, le monsieur même a dit que si madame vous permettez, ils savent que vous n'allez pas accepter. C'est une forme de communication.
Est-ce que vous comprenez? Qui savent que vous n'allez pas accepter. Ils savent que s'ils font passer ça là, ça va faire sauter votre compte. Ils le savent. Et donc, ils vont faire croire que non, on a demandé la permission à la dame. Est-ce qu'on peut faire passer? Là, les gens vont dire, ah, effectivement, c'est que la vidéo existe. Est-ce que vous comprenez? Et là, ils vont toucher aux esprits sensibles. Mais votre complot à deux balles, là, ça ne va pas prospérer. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand madame dit que vous menacez là, mais quand on dit menace là, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle menace. Hein? On dit, vous allez être poursuivi devant les tribunaux. Ça, ce n'est pas des menaces. Vous allez assumer vos accusations. Ça, ce n'est pas des menaces. Et je vous dis que c'est un complot concocté à l'étranger dans le but de détruire une compatriote ivoirienne. Cette semaine-là, c'est mon combat. Tout à l'heure, là, je vais faire un live. Quand la présidente va finir son live, là, je vais faire un live. Et puis, je vais parler. Et je vais parler très fort. Est-ce que vous comprenez? Donc, madame la Djadja, je ne sais pas qui vous êtes. Mais nous, vous n'allez pas prospérer. Ça, il faut que vous vous apprêtiez à ça. Donc, ce qui se joue, ce n'est ni plus ni moins. Quand on dit à détruire le foyer, vous-même, vous êtes dans l'émotion, en fait. Vous êtes dans l'émotion. Toi, tu vas souffrir avec un mari. Tu vis avec ton mari. Et c'est une inconnue qui va venir vous mettre à l'épreuve, qui va te dire, il faut quitter ton mari, et puis tu vas quitter ton mari. C'est parce que le mari, là, tu ne l'aimes pas. C'est parce que tu n'aimes pas ce mari. Et je dis big up à la coach à mon chic. Pour tous les foyers, quand on dit qu'elle a gâté, là, je lui dis félicitations parce que ces foyers-là n'avaient pas le droit d'exister. Parce que c'était des foyers qui ne tenaient qu'à rien. Parce que quand on aime son mari, là, personne ne peut te convaincre de quitter ton mari. Personne. Personne. Donc, madame, je le dis et je le répète encore. C'est un complot d'un groupe de l'Afrique vers là-bas, là. OK? Pour éteindre une étoile. Mais l'étoile de la Côte à Monchik, là, c'est trop fort pour vous. Regarde, elle est trop forte pour vous. Et vous êtes à la recherche de visibilité. C'est parce que vous n'avez pas... La lionne, s'il vous plaît. Fermez votre micro, vous allez faire votre motion après. Voilà, vous êtes à la recherche, visibilité. Et ça, je vous le dis encore, je vous le répète, vous êtes à la recherche de visibilité. C'est pourquoi vous êtes obligé de vous frotter à un baobab pour qu'on puisse savoir que vous existez. C'est ça la réalité. Contre Monchik, il faut gâter tous les mariages. Qui sont des faux mariages. Ils vont casser tous les mariages. Est-ce que je peux rebondir quand même? Gaga, attendez à la fin. À la fin, Gaga. Attendez à la fin. Il a parlé, ça fait la fin. Elle a la tête d'un complot. Rebondir. Et moi, je la mets au défi. Si elle a une vidéo, là, elle n'a qu'à publier la vidéo. Ok, président. Président, d'accord. On va laisser Gaga répondre. S'il vous plaît. Cœur, oui, cœur répond alors. Moi, je vais répondre après. Oui, oui, vous dites cœur répond. Cœur sait qu'elle, là, elle est ma petite soeur. Elle m'a toujours appelé. Non, attends, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Il y a des choses, là, il ne faut pas rentrer dedans. Je te le dis, il ne faut pas rentrer dedans. Voilà. Regardez-moi cette omelette là. Regardez-moi cette omelette. Ok, président. Merci pour votre intervention. Président, on a compris. Regardez-moi cette omelette. Président, le renfort. S'il vous plaît, vos micros. Attendez, il va conclure. Président, faut conclure. On va écouter Gaga aussi. Elle va répondre à ce que vous avez dit. Non, cœur, c'est à moi de répondre. Vous connaissez, vous êtes des frères et sœurs. Non. Attends, cœur, laisse Gaga répondre, après tu vas parler. Cœur. J'ai été indécis. Ça compte pas, c'est ton frère. C'est ton frère, il a dit. Cœur, s'il te plaît. Cœur, laisse-la répondre. Tu vas répondre après. Tu vas répondre après au président. Laisse Gaga. Comme elle est la concernée. Vous connaissez. Tu pourras l'appeler. Tu pourras parler. Non. Vous connaissez. Djadja, en train de faire de la diffamation, je suis d'accord avec toi que tu sois vraiment offusqué. Mais dis que c'est un palabre de pays contre pays. C'est pour ça qu'il dit non. Parce que dans la bonne de à Coco Chamonchik, il y a des Congolais, il y a tous les pays qui la suivent. Moi, je veux pas que tu cadrises le problème dans ce sens-là. Moi, je veux que tu élargisses un peu le truc. Si elle a apporté des informations contre à Monchik,
elle doit répondre. Si Amon Chik veut porter plainte, il n'y a pas de problème. Si les abonnés de coach Amon Chik trouvent que ce qu'elle dit n'est pas vrai, elles vont venir apporter la contradiction. Comme toi, tu es en train de le faire, je suis d'accord avec toi. Mais dis que c'est question des pays, je ne suis pas d'accord avec ce côté-là. C'est tout simplement ce qu'elle dit. En quoi est-ce que je t'ai déçu, grand frère? En quoi est-ce que je t'ai déçu? J'ai été clair. Elle dit que coach Amon Chik brille des foyers. Ceux qui sont contre ça, ceux à qui elle a fait du bien, qu'elle montre et qu'elle détruit ce qu'elle dit, tout simplement. Si Coach Amon Chik décide de ne pas porter plainte, c'est son avis, on respecte son avis, mais les caviars ne sont pas d'accord, qu'elle vienne ici avec les arguments pour faire taire la djadja. Tout simplement, c'est ce que j'ai dit. En quoi est-ce que je t'ai déçu? Ce n'est pas question des pays, parce que les abonnés de Coach Amon Chik, il y a tous les pays qui viennent sur son compte. Tout le monde est abonné à elle. Tout le monde l'aime. Non, ne prends pas le sujet en disant que c'est forcément un pays contre un pays. C'est pas du tout intéressant, s'il te plaît. C'est pas intéressant. Voilà ce que j'essaie de te dire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Gaga, merci. Vas-y. Oui. Regardez-moi ce monsieur, que personne ne me coupe la parole. Hein. Lorsqu'il m'a traité de tout ici, je l'ai laissé le temps de blablater là. Président, je ne sais pas de ton quartier ou de ta petite famille ou je ne sais pas, président de ta femme. S'il vous plaît, Gaga, allez-y, président, ça ne voilà. Il faut juste dire président, vous l'appelez président, c'est tout. Non, mais il faut répondre de la même façon. Il va manger, il va être mesuré de la même façon qu'il m'a mesuré. Il m'a manqué de respect. Je ne vais pas à moi le caresser au sens du poil. Je suis désolée, Madame Poupou. Je suis vraiment désolée. Il ne se respecte pas, je ne le respecte pas. Alors, il me parle de diffamation. Monsieur, la diffamation, c'est jusqu'à preuve du contraire. Diffamer, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. Et moi, ferme-moi ton putain de micro. Président, s'il vous plaît, laissez-la s'exprimer. Président, ferme-moi ton putain de micro. D'accord? Voilà. Donc, vous parlez de diffamation. Moi, j'ai parlé de... Je sais que je ne diffame pas, puisque ce que je dis, c'est avéré. Donc, je ne diffame nullement. Le monsieur qui est monté tout à l'heure pour parler du site, il n'a pas à vous répondre par oui ou non, parce qu'il n'a pas à dire oui. Il connaît ses droits, justement. Il a bien fait de ne dire ni oui, ni non. Il n'est pas obligé. Vous ne l'obligerez à rien. Et pour tout vous dire, vous aussi, vous êtes un gratteur de buzz. Vous dites que moi, je suis derrière le buzz, que je cherche le buzz. Vous mélangez les pays. Déjà, le Congo n'est même pas allé à la CAN. Quand ces gens-là sont venus à la CAN, le Congo n'était même pas à la CAN. Déjà, nous, on n'était pas qualifiés. Ceux qui étaient qualifiés, c'est les gens de la RDC. Nous, Congo Brazzaville, on n'a pas été qualifiés. Oui, c'est notre compatriote. Tu t'appuies que sur ça. Tu es là en pleine recherche de renfort, en fait. Tu n'es que sur le renfort. Non, elle est là, notre compatriote. En fait, tu veux en faire une affaire d'État alors que c'est une affaire de sans caleçon. Juste une pauvre dame, une pauvre bordel qui vous coach sur les réseaux sociaux, qui elle aussi, elle a allé descendre son caleçon quelque part. Vous voulez en faire toute une affaire d'État. Mais vous êtes sérieux, monsieur? Respectez-vous quand même. Je sais qu'elle vous paye un peu des miettes. Ou bien vous voulez vous attirer sa sympathie. Comme ça, vous allez être à ses côtés tellement vous tremblez devant ses 4 millions d'abonnés. Mais ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Je ne tremblerai jamais devant ses 4 millions d'abonnés. C'est une femme, c'est une coach. Je dirai ce que je pense. Ce que je lui dis, je le dis à Macron. D'accord? Qui est président de la République française. Je le lui dis en face à Macron. Donc ce n'est pas à une coach des réseaux sociaux qui est juste sur la toile, qui s'est fait un an ici sur la toile, que moi je vais craindre que je ne pourrai pas moi parler de mes pensées, moi je ne pourrai pas exprimer mes pensées, exprimer ce que j'en pense. Mais ça va pas ou quoi? Vous pas de mêler deux nations, Congo, la coach Amon Chik, elle a beaucoup d'abonnés chez moi, ok? Elle a beaucoup de gens, des moutons aussi qui la suivent, qui sont des Congolais. Donc moi, mon affaire n'a rien à voir avec le Congo, avec la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Je ne suis pas aussi bas que ça. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas la bassesse d'esprit. Je ne cherche pas à m'accrocher quelque part. Je ne cherche pas le renfort quelque part. Depuis, je ne sais pas combien d'heures je suis dans ce live. Je n'ai pas appelé le renfort à qui que ce soit. Je m'exprime simplement. J'impose mes idées, d'accord? Je m'exprime et je dis ce que je pense, ce que je sais. Je ne cherche pas le renfort des Congolais. Je n'ai jamais mentionné mon peuple ici, là. D'accord? Étant donné que je suis africaine et noire, j'en ai rien à foutre. Mon combat, ce n'est pas ça, là. Mon combat, c'est sur les valeurs. Les valeurs de notre société. Mon combat, ça n'a rien à voir avec deux peuples. Oui, mon peuple est plus que ça, là. C'est tellement d'une petitesse. C'est tellement d'une bassesse. Mais franchement, essayez de m'affronter, monsieur. Vous avez dit que je vais voir. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir. C'est-à-dire que je m'appelle Antonella. Écrivez-le, monsieur président. Et si vous voulez... Si vous voulez, si vous êtes à Paris, là tout de suite, je m'habille. On se croise, vous et moi, là à Clignancourt.
Vous allez voir que je n'ai pas que ma grande gueule derrière mon écran. D'accord? Si vous êtes en mec, dites-moi là tout de suite, je m'habille. On se croise là à Clignancourt. Si vous êtes à Paris, ou bien dites-moi où vous voulez qu'on se croise. On peut se croiser tout de suite là, au lieu de crier sur les réseaux sociaux. N'importe quoi. Merci beaucoup, Madame Poupou. Ok, merci beaucoup, merci. Merci, Dja. On va donc écouter, je crois que c'est Garçon, voilà. Surtout de Garçon, Garçon complet 237. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour madame. Allez-y. Voilà. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Votre avis. Moi, je viens depuis, voilà, moi, je viens et je prends le côté de la Dja. Et pas même que je prends son côté, je l'encourage sur ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle a la vidéo des coachs à Moshé et tout, et qu'on sent ça là, ça, c'est elle qui connaît ça là. Et moi, ce que je vais dire en tant qu'homme ici, c'est que, sur le réseau social, quand une personne, quand tu es déjà sur le réseau social, personne, on ne peut pas empêcher qui que ce soit de parler de toi quand tu parles, quand tu es déjà sur TikTok. Parce que TikTok, c'est un truc, tout le monde s'exprime. On reproche tout le monde. Que ce soit les présidents, les députés, les ministres, on parle d'eux ici. Les sujets viennent toujours ici. Les Ibrahim Traoré, on les traite de tout ici. Tout le monde. On a vu des gens comme les Marcos clasher tout le monde, insulter tout le monde, parler de tout le monde. Donc, il n'y a personne sur le réseau social. Si tu veux te faire respecter, tu dis que tu es respecté, tu veux qu'on te respecte, tu ne veux pas te faire connaître, ne viens pas chercher les abonnés. Quand tu viens déjà sur TikTok chercher les abonnés, mets dans ta tête que on va t'insulter, on va parler de toi, on va tout dire de toi parce que tu es venu chercher les abonnés sur TikTok. Parce que tu es venu chercher à manger sur TikTok, attends-toi qu'on va parler de toi. Moi qui parle là, je sais qu'on va parler de moi. Moi qui parle là, je sais qu'on va m'insulter. Mais si je ne veux pas qu'on m'insulte, si je ne veux pas qu'on parle de moi, je ne viens pas chercher l'argent sur TikTok. Si je viens déjà chercher l'argent sur TikTok, on va parler de moi. Et personne ne peut empêcher. Quand on vient sur la toile ici, ça ne sert à rien de crier. Ça ne sert à rien de chercher à mélanger deux pays parce que ça ne concerne pas. Nous sommes tous des Africains pour dire que c'est la communauté ivoirienne, c'est la communauté camerounaise, c'est la communauté guinéenne. Ça n'a rien, ça ne sert à rien. Donc, il faut pas qu'on parle de ça. Ce qu'elle a, ce qu'on doit répondre, c'est qu'elle, elle confirme et elle réaffirme qu'elle a la vidéo. Et l'autre question que je me pose pour tous ceux qui viennent défendre la dame. La fille a eu à citer le nom de plusieurs femmes. T'as pas vu le bord? Non, c'est fini. Attends, je vais acheter l'autre. La femme a cité le nom de plusieurs femmes. Mais pourquoi vous ne défendez pas les autres femmes qu'elle a cité, les dames? Les noms, autant pour moi. Elle a cité le nom de plus de 4-5 femmes. Mais pourquoi vous ne défendez pas cela? Ou cela ne sont pas des humains? Ou cela n'ont pas leur valeur aussi, les femmes? Elles n'ont pas leur valeur aussi? Et pour le monsieur qui crie sur la toile pour dire que ouais, la coche détruit moi les foyers des hommes. Détruit les foyers. Toi, tu es content de demander à une femme de détruire les foyers des hommes sur la toile. Ça vous plaît? Ça vous plaît de dire des conneries sur la toile, crier sur les gens pour crier, pour demander parce que vous protégez 4 millions de vues, 4 millions d'abonnés. C'est quel raisonnement ça là? Est-ce que c'est à sa place? Est-ce que c'est normal que les femmes se regroupent pour dénigrer les hommes, pour insulter les hommes, pour traiter les hommes de crapettes, de crevettes, de tout, et puis la nuit, c'est les mêmes hommes-là qui les donnent à manger? Madame la Présidente, après j'ai une motion. Et tu coupes ton micro, tu coupes ton micro. Je ne couperai pas le micro. Ok, vous allez faire votre motion à la fin, Président, camarade. Notre soeur. Tu coupes ton micro et tu fermes ta gueule. Président, s'il vous plaît, attendez à la fin pour faire votre motion. On le laisse terminer, vous allez faire votre motion à la fin. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah là là. C'est toi qui fermes ta gueule. S'il vous plaît. Attendez, Président, attendez à la fin. À la fin, vous allez. Gaga, s'il vous plaît. Gaga, attendez. Ok, garçon, n'insultez pas, s'il vous plaît. Allez-y sans injure. Allez-y sans injure. Allez-y, garçon.
Président, si je parle... Il est inadmissible qu'un monsieur monte sur un panel pour demander à sa sœur de détruire le foyer. C'est parce que tu as vu. C'est parce que tu as déjà vu. Toi. Si tu dis ça, c'est que tu as déjà vu. Bangala épinard. Oui, c'est parce que tu as déjà vu. Bangala épinard. Bangala... C'est bizarre, alors que tu n'as pas vu. Non. Bangala. Hein? Je dis, comment tu peux voir, si... comment tu peux dire c'est bizarre et puis tu n'as pas vu. C'est que tu as vu. Laissez-moi, mais je laisse moi parler. Pourquoi que ce mot est la parole? Du n'importe quoi. Président, laissez-le finir. Vous savez, vous allez faire votre motion après. Non, elle n'a qu'à fermer son micro. C'est elle qui est en train d'insulter moi. Président et Gaga, s'il vous plaît. Non, c'est elle qui est en train. Madame la présidente, c'est elle qui est en train d'insulter. Niama, Bangala Pina. Nadjaja. Président Kamara. Président Kamara. Mario Congo. Président, fermez votre micro. Vous allez faire votre motion à la fin de l'allocution du monsieur. Bangala Pina. Qui est la Bangala Pina? Bangala Pina. Regardez pas celui qui ne se lève pas à 4 heures du matin. Tous tes amis se lèvent à 4 heures du matin. Tu ne te lèves plus à 5 heures du matin. Bangala à drone. Bangala à drone. Bangala qui t'aurait pu carbonate. Bangala bicarbonate. Bangala qui ne se lève plus. Bangala bicarbonate. Regardez-moi celui-là. Regardez-moi celui-là. Regardez-moi ce mec-là. Bangala à drone. Bangala bicarbonate. Bangala. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On laisse le monsieur terminer. Vous allez parler tranquillement. Gaga et président, s'il vous plaît. On va laisser le monsieur poursuivre. Quand il va finir, vous allez faire vos motions. Il n'y a pas de souci. Monsieur garçon, poursuivez. Monsieur garçon, allez-y, poursuivez. Donc, comme je disais tantôt, je vais m'adresser ici sur la toile. Chacun est libre de soutenir, de dire ce qu'il veut. Chacun est libre, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées. Et quel qu'en soit le concept que tu viens avec ici, sur le réseau social, sur TikTok, il y a ceux qui vont être pour, ceux qui ne vont pas être pour. Et vous ne pouvez pas forcer tout le monde à adhérer, à accepter ce que toi, vous voulez. De faire ce que vous voulez. Sur la toile ici, il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent, qui disent que la dame détruit les foyers et justement, elle détruit les foyers des gens. Elle détruit les foyers. La djadja se lève et parle. Tout le monde, les gens parlent par derrière. Les gens parlent. Les gens en parlent. Et ici, ne mentionnez plus le nom de la Côte d'Ivoire parce qu'on ne parle pas de la communauté ici. La dame, elle a des abonnés camerounais, guinéennes, maliennes, congolaises, ivoiriennes et tout. Ne viennent pas avec le pays ici. Tu ne représentes pas la Côte d'Ivoire, monsieur le président. Vous ne représentez pas la Côte d'Ivoire. Ne venez pas avec le nom de la Côte d'Ivoire ici parce qu'on ne parle pas des deux pays ici. C'est un sujet, on parle, et puis chacun est libre de donner son temps. Personne ne doit fuir. Toi, Bangala bicarbonate, reviens ici, président. Personne ne fuit. Tu restes là. Personne ne va fuir. Gars, si vous ouvrez votre micro, il ouvre le tien aussi. Donc, on ne va pas avancer. On va laisser garçon et vous allez faire vos motions. Est-ce que vous voyez, si c'est ça là, je vais aussi intervenir. Si tu as vu mon Bangala, il faut dire aux gens que oui, j'ai vu ton Bangala là. Arrêtez, s'il vous plaît. Je dis, si elle ouvre son micro, je vais ouvrir pour moi. Parce que vous la laissez faire. C'est parce que tu as vu comment tu as fait pour voir. On va pas laisser, pardon. Comment tu as fait pour voir? Comment tu as fait? Il faut dire ça aux gens. Oui, j'ai vu. Vous n'avez pas de casson de votre pays. C'est bon. Il n'y a pas de casson là-bas. J'ai massé ton... C'est un Ivoirien. Voilà, il n'y a pas de casson. Bangala, j'ai massé, ça ne se levait pas. Tu m'as fatigué. J'ai massé, fatigué. Bangala, j'ai mis Vixo. J'ai mis casson dans ton Bangala. Ça ne se levait pas. J'ai mis Vix.
J'ai mis Confo voilà. dans le Bangala. Ça, c'est le départ. Garçon, des Congolais comme ça, vous allez venir détruire l'image de notre sang. On va vous laisser faire. Je vais terminer avec toi. Ne mélange pas les pays. J'ai massé ton Bangala. J'ai massé ton Bangala. Avec Zitabo. Voilà, voilà. On va, vous allez monter un par un, parce que là, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Il y a les autres qui sont là, il y en a qui sont en bas, et voilà, ça commence à faire chose. Donc, président et Diadja, vous allez monter un par un, parce que là, on fait pas, on n'avance pas quoi. C'était vraiment, c'est pas pour faire des histoires, c'est pour écouter tout le monde. Voilà, chacun va donner son